soir de décembre 1895, dans le sous-sol du Grand Café, M. Louis Lumière, transformant sur le plan pratique les découvertes de Marais et de Reynaud, allait pour la première fois en public animer un écran de personnages humains. Et c'était cette sortie des usines Lumière, la première histoire d'actualité qui ait jamais été tournée, l'ancêtre de ce journal que vous voyez désormais chaque semaine. Et c'était ce déjeuner de bébé pour lequel Auguste Lumière joignait au titre de co-inventeur celui de premier en date des comédiens de l'écran. Le premier encore daté d'un jour d'il y a 53 ans, un brevet devait sanctionner une découverte aussi importante que celle de l'imprimerie. Et aujourd'hui, Louis Lumière, mort, revit en ces images magiques que lui-même a su créer.